Allez, ça recommence. C'est les CRS, la BAC, et ça recommence, ces salauds. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Voilà. Ça arrête jamais, hein? Voilà, rebelote la Macronie, mon pauvre monsieur Macron. Oh, ça s'arrête jamais ou quoi? Eh ouais, il est où le grand chef? Mais c'est pas eux là, c'est privé. Il est parti voir la dame pour récupérer les affaires. J'aime pas le droit de rentrer. Ça boîte ma grand-mère, j'ai même pas le droit d'y être. Maintenant c'est quoi cette justice? Ça boîte ma grand-mère, j'ai même pas le droit d'y être. On va où? On va où qu'on peut même pas aller chez la grand-mère pour eux? J'aime pas le droit de rentrer chez ma grand-mère. Non monsieur, vous avez rien le droit de faire. J'ai même pas le droit de rentrer pour vous. Vous pourrez y aller en Que tout le monde reste calme, que tout le monde reste poli et tout ira bien. Non, j'entends pas. Ah mais moi aussi je suis resté poli, on m'a menacé de m'embarquer et de me mettre des amendes. C'est où les matricules? Pour que nous on reste poli, il faut que ça soit dans les deux sens. Que tout le monde soit poli. Moi, je viens de partir de mon travail, là. Et regardez bien, d'habitude, ils ont les matricules quand ils viennent nous rendre visite, mais là, ils n'ont pas. C'est encore la dictature de monsieur Macron. Allez, c'est parti. Ils ont calé pas les parmi de bois. Non, non, c'est pour le billet de jardin. Ils sont contents, ils vont les mettre dans leur jardin. Je vais voir le chef, là. Vous restez là, parce que si vous voulez le voir, il démarre. Non, mais c'est quoi cette dictature là? Putain, c'est un truc de malade ça. Non, mais eux par contre ils se permettent. Ils ont pas le droit de nous bouger non plus sans papier, mais de nous bouger sans papier. Et quoi reculer? Non, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ah non, mais là c'est un état de droit. Ah, c'est quoi qui se passe là? Attendez, je parle au chef là. Parlez-lui de la base.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Chez moi, vous eh non, mais c'est à eux. Pourquoi vous leur prenez? Ah, l'autre fois, vous êtes venus, vous nous avez dit, vous êtes bien, vous êtes en sécurité. Hein? Eh ouais, adressez-vous. Eh bien, on va l'appeler, le préfet. Tiens, passe-moi un téléphone, je vais l'appeler, le préfet. Passe-moi le numéro. Hein? Mais je l'ai, moi, je l'ai. Je vous donne le téléphone. Je suis contre tout ça aussi. J'ai des problèmes avec la justice, il y a 20 ans. Tout le monde a fait des erreurs. Lui, il en a pas fait. Oui, bonjour, monsieur le préfet, ici monsieur Gontard, Carpentras, gilet jaune. Voilà. Ben, vous avez envoyé une équipe enlever notre mobilier urbain, on va dire, qui est sur le rond-point. Et voilà, donc on se retrouve face à un dilemme. Je sais pas, je voulais savoir pourquoi vous nous avez envoyé tout cette armada alors qu'il ne se passe jamais rien sur Carpentras, on est tranquille quoi. Ouais. La collectivité, c'est-à-dire c'est la mairie de Carpentras qui aurait demandé ça? Ouais. Oui, oui, du conseil départemental, oui. D'accord, donc si on est sur un terrain privé, il ne se passera rien? Oui, non, mais si on a son accord, si on a son accord. Ouais. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cinquantaine de gilets jaunes. Du coup, ils sont un peu remontés. Les infos fusent sur Facebook. Donc, j'espère que ça va bien se passer samedi à la manifestation. Parce que du coup, ça déclenche pas mal d'amertume entre celle de Cavaillon, celle de Carpentras, celle d'Avignon Nord. Franchement, voilà. Nous, on essaye à Carpentras de... ça se passe bien avec la police, tout se passe bien. Et puis là, à chaque fois, ça envenime les choses. Je suis obligé d'intervenir. Pour apaiser tout le monde, mais je sais pas si ça va servir à grand chose quoi. Voilà, ouais, vous entendez bien, ouais. Voilà, donc ok, écoutez, voilà, c'était pour faire le point avec vous, donc vous pouvez rien faire. Par rapport au moins, par rapport à notre matériel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut au moins récupérer notre matériel? Oui, il y a des forces de police. Ouais. Ils veulent pas. Ils sont rentrés même chez une dame, chez des gens, des particuliers, qui nous gardaient du matériel. Voilà. En fait, on n'a pas le droit de rentrer récupérer notre matériel sur un domaine privé. Ils sont allés voir directement cette personne pour pouvoir aller les récupérer eux-mêmes. C'est des tables et des chaises en bois. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut les récupérer? C'est au moins ça qu'on aimerait récupérer. Ben, parce qu'ils sont à côté de moi, là. Hein. Je peux vous les passer. Hein. Merci. C'est vous le chef? Je vous pose la question parce que je téléphonais au préfet pour au moins qu'on puisse récupérer... le mobilier. Il m'a dit. Téléphoner au préfet. Ben ça y est, c'est fait. Il va. Eh ben voilà. Donc voilà, ben sûrement. Et tu surveilles parce qu'il va nous rappeler là. Voilà, parce qu'en fait, on est sur le domaine. En fait, parce que ce domaine, en fait, ça appartient aux Français. C'est les choses qu'il faut savoir. Hein. Mais il s'accapare quand même le droit. C'est au gouvernement. Tout est à monsieur Macron. Pas ma voiture et pas ma maison. Hein. À bientôt. Et pas mon commerce non plus. Bientôt, il faudra vivre comme moi dans une caravane, c'est à toi, ils peuvent rien faire. T'as pas le fils? Ah non, mais tu l'attelles à ta voiture, il est pédé, il va te l'enlever aussi. Il n'y a que ça. Si, j'ai un fils, non mais déjà le mot fils, il a fait ça. Il est en caravane, il faut plus avoir de maison. Quoi? Il faut marquer l'article comme quoi. Ah, ça, vous avez eu mon message?
Vous avez eu mon message? Ah, moi j'étais venu là. Ouais, j'étais là. Ah, vous étiez là? Donc ils sont en train de nous. La presse doit faire son travail, elle doit dire ce qui se passe. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ils sont en train de nous prendre notre matériel, ils se sont pointés chez les, chez la personne qui nous garde le matériel. Un privé quoi, terrain privé. Voilà, un terrain privé. Et même moi, j'avais même pas le droit de rentrer dans le terrain. Donc j'ai fait le tour pour passer de l'autre côté pour. Voilà la dictature, les amis. Et les gendarmes sont. Enfin, la dictature en marche. Donc j'espère que monsieur le journaliste va pouvoir faire un article. Voilà. Regardez là-bas. Oui. Le patron des policiers qui va dire qu'il n'y a pas de soucis. Ah ben voilà. Le patron des policiers, il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Ah si, elle nous a donné. Bien sûr qu'elle nous a donné son ordre. Comme ça chez les gens et nous faire sortir comme ça. Mais si. La dame, elle dit que soi-disant les policiers, la dame aurait dit aux policiers qu'elle ne nous aurait pas donné son accord pour déposer des choses. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Elle me demande le nom de la dame. L'avocate? Oui. Eh bien, va aller voir sur la boîte aux lettres. Si, elle nous a donné son accord. Bien sûr que. Ben qu'elle le sorte. Il me l'est. Qu'elle le sorte, bien sûr qu'elle nous a donné son accord. Ouais. Mais bon, ça nous appartient. Moi, à la limite, je l'emporte chez moi. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas. Nous, en tout cas, c'est une table et des chaises. Vous vous rendrez compte? Vous vous rendez compte? Carole, la dame, elle nous a bien donné son accord. Voilà. Ouais, mais vous voyez. Allez, au revoir. Voilà. Le soi-disant que la dame elle aurait dit à la police qu'elle n'avait pas donné son accord. Ouais, ils ont dû la menacer. Oui, bah oui, ils l'ont menacée. Mais c'est ce qu'il m'a dit le préfet là. Et lui, là, dans le chauffeur. Regardez nos affaires, nos bancs, nos chaises. Honte. Voilà. La dictature de monsieur Macron. Ah, ils l'ont menacé? Ouais. Trois ans encore. Ah, ils ont osé menacer une personne âgée. Oh là là. Eh ben. Il a fait pareil qu'à Gabi. Il a vu Gabi, il est venu le voir, il lui a dit la semaine dernière, il lui a fait peur. Il menace l'autre. Non, il l'intimide. En fait, il intimide, il lui a dit tu t'es pas retrouvé en garde à vue toi la semaine dernière. Il a dit si, du coup il a été intimidé, parti là, il lui a dit t'as pas eu affaire à la justice il y a 20 ans. Il n'y a pas 20 ans. Ah oui. Il y a 25 ans. Non, mais il y a 25 ans. Attends, j'avais 18 ans. Hey, tu t'es pas branlé à 16 ans. Et notre bâche, on peut la récupérer quand même, notre bâche. Ouais, ils vont rien vouloir comprendre là. Ils vont rien vouloir comprendre. Ne cherche pas, ils veulent pas. Non mais la bâche, nos pancartes. Non, les banderoles, on les a enlevés, comme les drapeaux. Celui qui est bien en voiture avec elle, il a voulu récupérer un panneau qui n'a pas en bois avec la flèche, tu sais. Ouais. Ils ont dit non, ils ont été à trois dessus pour lui reprendre. Filme-les bien, prendre et rentrer dans la propriété. Ça, il faudrait qu'on l'enlever sur internet, mais... Ouais, mais jusqu'au bout. Il faut préciser qu'il... L'avocate, elle m'en rappelle, là. Voilà. Et il laisse pas rentrer. Non, mais je leur parle, on dirait que je suis un fantôme. Oh, ah non, mais ils ont l'ordre. J'aurais dit, j'ai l'avocate de la... Ils ont l'ordre de ne pas répondre. J'aurais dit, j'ai l'avocate de la propriétaire au téléphone. Il fait comme si je parlais dans le banc. J'ai dit tout à l'heure, j'ai l'avocate de la propriétaire au téléphone. C'est comme si je parlais dans le banc, parce que c'est transmis, ils vont de suite l'enlever sur internet. Regarde. Voilà, la dictature de monsieur Macron.
Ils ont pas compris qu'on va revenir. Putain, ma table. Non, je n'ai pas parti plus loin. Eh ben, on va recommencer. On n'est pas parti. Moi je rappelle, c'est qui, toujours Daniel, hein, bravo. Ouais, c'est le porte-parole, oui. Pour savoir comment ça s'est coupé là. J'ai les photos, j'ai fait les vidéos de quand il est. C'est juste cette histoire, c'est vraiment. Le département, il a pas carte, ça fait que vous avez compris sur la charge. D'accord. Je pense que ce serait pas mal de se faire. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a au moins 5 camions de plus. Ouais. Non! Oh, les blocs! Non! On leur balade dans la gueule! Une tonnerre là! Une tonnerre! J'essaye de voir pour parce qu'ils démolissent tout à l'heure! Maintenant, c'est ça! Une table pliante en plastique! Et on sera restera dans l'aéroport! Et le 21 avril, on sera tout dans l'aéroport pour les gens qui viennent en vacances en France! Voilà, donc on est en direct de Carpentras, au QG, les forces de l'autre, police nationale, CRS, plus la BAC, on a droit à la BAC aussi, qui sont venus nous déloger. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Aucune honte. Que du mépris pour les citoyens français. Que du mépris, que du mépris. Voilà, c'était pas mardi, c'était mercredi qu'ils sont venus nous déloger encore une fois. Voilà, donc j'ai appelé le préfet, enfin, ou son chargé de communication sûrement. A priori, donc ils sont rentrés à l'intérieur d'une propriété privée et ils ont menacé la vieille dame qui nous avait donné l'autorisation de pouvoir y stocker des tables et des chaises. Et ils sont quand même rentrés les chercher, non mais en menaçant la dame de poursuite. Et demain on reconstruit. On lâchera rien, monsieur. Rien. On va vous épuiser. Ah mais moi ils vont essayer de m'aguetter là. Hein? J'ai dit moi ils vont essayer de m'aguetter. Non, mais pas là. Ils vont essayer de te choper là. Ils ont envie. Donc je vais rester. J'en sais rien. Tu sais quand tu es meneur. Meneur de quoi? Ben, ils pensent que les gens qui parlent c'est des meneurs. Hein? Il m'a l'air d'avoir la rage vers toi, le fils de pute de Dieu. Lui qui passe au journal, il passe dans le flic de merde. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il a déjà dit dans le rond-point, on part plus avec eux, allez, dégagez. Et au moment, il t'a dit, venez voir. Voilà, là, mais... Donc, si je m'approche pas, c'est qu'il y a une raison. Hein. Regarde mon mur. Oh, il tient. Oh, il tient. Oh, il est bon, mon mur. Oh, il est bon. Oh, ouais. Putain, comme il est constant, celui-là. Voilà la dictature de M. Macron. Il envoie ses,
garde. Hein? Il envoie ses chiens de garde. Et sa police aussi. T'as regardé, il filme lui là-bas. Ouais, lui aussi il filme. Moi je suis à Londres, je ne peux pas venir. Samedi. Samedi, moi je suis à Londres. Hein? Si au cas où j'ai des palettes au chantier. Non mais c'est bon, nous. On va poser 4. Ils vont faire différemment là, je pense. Ils nous ont filmé, pris en photo, c'est qu'est-ce bon. Qu'est-ce qu'il a dit le préfet au machin? Ils sont allés menacer, rien de plus que ça appartient au département. Ouais, national, c'est pas ton marteau ça là-bas là? Dans la main qu'il a. C'est leur marteau ça, c'est sûr. On a tout enlevé, on a tout enlevé de là-haut. Moi je reste à côté de toi, qu'il y en a une qui te couche, je la frappe au moins, je le mords. Là il faut diffuser, enfin, si c'est possible, diffuser maximum. Vous mordez tous, hein. Là il y a eu des photos avec les camions et tout. Ouais. Oui, alors quoi, c'est plus que des photos là, c'est un live. Donc le préfet. J'ai même pas eu le temps d'utiliser le liner de piscine. J'ai pas le droit. Ah non, ils m'ont interdit, sinon ils m'ont embarqué. J'ai déjà dû faire partir ma voiture, parce qu'ils, de toute façon, ils appelaient la fourrière, ils m'ont embarqué aussi. Sinon, il faut y aller tous ensemble. Ça. Là, dans le tas. Ils ont trouvé une excuse. Ils vont continuer. Ils sont armés et tout, on a rien, mais ça va pas, non? Ils prennent une matraque, on finit aux urgences. Ça. Il faut les avoir à l'usure. Voilà, ça fait 4 mois que les gens manifestent, que les retraités sont dans la rue. Ça fait 4 mois. Il n'y a rien qui se passe. Que de la dictature, que de la répression. Des éborgnés. Si, il y a le grand débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir la dame là-bas? Et Macron, il va au ski. Quand ça se passe ça. Et Castaner, il ouvre la braguette. Le vieux qui m'a agressé. Celui qui est sur le côté à côté. C'est lui qui a été voir. On ne sait pas ce qu'ils lui ont dit exactement comme agression. Il faudrait peut-être aller la voir. On va ramasser le bois et tout la faire. Levez-vous de derrière, ils vont voir la dame. J'espère qu'ils connaissent bien leur devise. Hein. Qui se déplace pour aller voir la dame. Voilà les chiens de garde de Macron et de Castaner. Parce qu'il me faut honte. Oh, ta bouche. Tais-toi. Jusqu'à maintenant, tu as eu une vingtaine. Avec quoi ça s'appelle ça? C'est la DDE. J'ai envie de vomir là. Genre, ils me font vomir. C'est la DDE, Carlin? J'en sais rien, sûrement. Oui, il a dit que c'était la DDE. Donc, c'est le conseil départemental qui aurait demandé, qu'on était sur le domaine public, de faire enlever ça. C'est vrai qu'on gênait beaucoup. On gênait beaucoup là, sur la butte là. On gêne tellement que la seule personne qui nous a parlé nous a donné pas un chocolat. Ouais, c'est le département de Bruxelles. Oh, il y a eu une oh, mais oui. Il y a une
qui est de bien, c'est que quand ils sont dans la police, ils se font cambrioler quand même. Quand il y a mon neveu qui est à Paris, il y a un immeuble, il n'y a que des policiers. Les caméras et tout, c'est rien. Ils sont pas cassés la voiture. On a dit, mais on va faire une enquête, on va relever les mains. Allez, partagez la page. Parce que là, franchement, c'est vraiment une honte. Ah, ça fait déjà deux fois qu'ils viennent nous déloger avec leur tractopelle. Et en plus, ils n'ont aucun matricule sur eux, aucun. On a juste des vidéos comme quoi où on peut prouver leur visage. Voilà, c'est tout. Ah ouais, cache-toi. Hein. Là-bas au fond. Bon, c'est bon. Tu vas faire ta manifestation de samedi. Je vous encourage tous à partager. Oui, c'est une vingtaine parce qu'elle est encore là-bas. Hein. Ah ouais, elle est un petit peu là-bas. Sur cette fourgon, la DDE. Il y en a qui se cachent avec leur... Ils essayent de se cacher avec leur cache-nez. Honte, tu rigoles pas. Si tu as honte, tu viens pas ici. Voilà, nos affaires qui partent, nos tables, nos chaises. La dictature de M. Macron et de M. Castaner, aidé de ses complices. Le préfet, le conseil général, tout le monde est à la botte de M. Macron et Castaner. Sauf le peuple. Tiens, c'est un peu bizarre ça. Ils vous ont tout pris, ils vous prennent tout. Alors si vous vous réveillez pas, eh ben, faudra pas vous plaindre. Ils reviendront. Oui, mais c'est la BAC. La BAC, la brigade anticriminalité. Quoi, on est des criminels ou quoi? La BAC, c'est la brigade anticriminalité. C'est ça. Même les commerçants qui nous soutiennent. Il y a eu des restaurants qui nous ont amené des packs d'eau la semaine dernière. Laurence, ils sont partis à 5, foutent la pression à une pauvre petite dame, tu vois. Tu as filmé? Tu as filmé? Non, on n'a même pas le droit d'y rentrer. On n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. On peut rien faire. On est obligé de rester mais sur la route. Mais maintenant, tu peux aller la voir, ils y sont plus là. Ouais, ils vont derrière. Ils nous suivent, à chaque fois qu'on y va, on se fait suivre. Et ils nous dégagent. Quand Bob il y est allé, ils nous ont suivi. Ouais, et après, il y en a 4 qui m'ont suivi. 5. Voilà, ils mettent la pression à une dame âgée de 70 ans. Bah, toi aussi, t'as mis la pression. Mais là, t'as tout le monde. Si tu n'avais pas eu de la condamnation il y a des années, tu mets la pression à tout le monde. Dans les grouillères. Mais après, ça sert à rien de les... On va se retrouver en garde à vue. Quand l'avocat t'appelle, le chef de Carpentras, il n'est pas là. Il revient qu'à 17h. Mais s'il y est là, le chef de Carpentras. Non, c'est pas le chef de Carpentras, c'est le chef de Avignon. Ouais. Et comme c'est pas Avignon qui a commandité ces Carpentras, c'est le chef de Carpentras. Mais il y est aussi. C'est lequel? Mais c'est lui là. Là. Eh ben, il m'a dit non. Si, c'est lui. Ah. C'est lui. C'est à lui qu'on a payé le café le matin. Ouais. Je sais pas. Si, c'est à lui que j'ai payé le café. C'est lui qui m'a filmé. Là, tout à l'heure, là, il m'a filmé. Au tout début. Non, pas lui, là. Pas celui qui a la voiture. Non, l'autre derrière. Voilà. Non. Celui qui l'a bas derrière avec la casquette. Oui, c'est lui. Ben, il m'a dit non. Après, c'est plus mais c'est lui. Lui, je lui ai payé le café. Je lui ai tout payé pendant qu'on construisait le chalet. Pendant que je construisais le chalet, on lui a tout payé. Quelle affaire. T'as pas envie de vomir un petit peu là? Max, t'as pas envie de vomir un petit peu là?
Là, moi, j'avais de chier. Ça sent la merde un peu, non? Oh, on va se retrouver un gaviole, vous allez voir. Bah après, Attends, regarde, tu as récupéré le drapeau? Dès qu'ils sont partis, il faut aller chercher le barbecue. Ouais. Dès qu'ils sont partis, hein. Il est où le barbecue? Il est derrière, ils ont balancé derrière là-bas. Où là? C'est pas gentil derrière, ça. Et notre banderole, on peut la récupérer, hein, notre banderole? Non, on a le droit de rien récupérer. Si, et le barbecue, ils l'ont laissé là. Regarde-moi ça, les derniers, tout, ils s'arrachent. On a descendu les barres qu'on a mis là-bas. Quand ils ont vu qu'on les descendait, ils sont montés nous charger pour éviter qu'on descende de la grande table. Et ils ont décidé d'aller tout prendre là-bas. Ils n'ont pas le droit. Et le drapeau? Et le drapeau, on l'a descendu. Là, tu filmes toujours en direct, là? Ouais. Moi, j'ai les boules pour nos retraités. Mais j'ai des grosses boules. Ils n'ont pas des parents, ces gens. Ils n'ont pas des parents, ils n'ont pas des grands-parents, ils n'ont pas des personnes comme ça. Comment ils peuvent faire ça? Surtout que les retraités, ils passaient pour nous voir. Les retraités, quand même. Nos retraités, ceux qui se sont, qui ont travaillé toute leur vie, quand même, pour une misère. Les plus démunis. Ils sont gentils. C'est plus joli, l'uniforme aussi. Ah ouais. Il va se faire attraper un garde-à-vue, tu vois. Sans fouille. Sans fouille. Oui. Il est tout seul dans sa voiture. À l'aide! Venez nous aider! Oh, l'armée, on vous demande d'intervenir contre Macron. Monsieur les généraux, les commandants, enfin, les colonels. On a besoin de l'armée, nous. Paris. Hein? Ah. Regardez la jolie France. On est mercredi. Toute la justice qui devrait être avec nous. On est mercredi. Qui est contre nous? Jeudi, vendredi, on va récupérer du matériel. Hein? Samedi, dimanche, on reconstruit. Mais non, samedi, dimanche, on casse. Mais non, samedi, dimanche, c'est un vidéo. Ils ont été jusqu'à agresser une femme. Ah, on l'avait stocké dans son jardin privé. Ils ont été tous récupérés. Donc moi samedi dimanche, je me rends. C'est bon, t'as raison. Tu as bien raison. Ah, dictature de Monsieur Macron, de Monsieur Castaner. Ah, vous l'emporterez pas au paradis, il faudra bien un jour rendre des comptes aux citoyens. Après Edouard Philippe, il dit, mais moi je les reçois les gilets jaunes à l'Élysée. Bah oui. Le peuple, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Macron est en train de vendre ton pays. Bouge ton cul, putain, mais réveillez-vous. Ah, parce que en fait, vous allez casquer. Mais ceux qui vont casquer le plus, c'est vos enfants. Non mais il y en a, ils aiment parce que la vaseline elle est gratuite. Tu auras des enfants, tu sauras même plus quelle nationalité leur donner. Voilà. Donc ils sont venus faire leur travail. C'est limite s'ils vont pas nous amener nous aussi. Hein? Trois fourgons, ça suffit. Ouais, il m'a dit monsieur Sauveur, rentre chez vous. Ouais, j'étais là. T'as vu comment il m'a parlé? Rentre chez vous. En fait, on aurait été bon, on aurait dû allumer le feu et puis. Ohé partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Il veut faire peur. Pour faire peur. Le signe du sang et des larmes.
descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle, au couteau, tu es vite. Ou à la main, mon père. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Marc leur donne du travail. Moi j'ai dit que c'est pour mettre sur le rond-point avec une tonnelle et des chaises. Le soir on ramène sa chaise et sa tonnelle. Chacun amène sa chaise. Voilà. Bah oui. Il y a des pays où les gens ont bénis, ont des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu trouves un ami, sors de l'ombre à ta place. Les jeunes te posent des questions. Réponds-leur, merci. Quelle question ? Donc on a que ça à faire à regarder les questions. Excusez-moi si je réponds pas aux questions, mais on est en train de filmer et j'ai l'impression d'être dans le collimateur de. Voilà, je suis dans le collimateur, donc je reste un petit peu en retrait pour éviter qu'ils me sautent dessus gratuitement. Ils cherchent n'importe quel prétexte. Voilà. Moi, je vais parler. Avignon, il faut qu'il y ait du monde le plus possible sur Avignon. Il y a le patron qui veut vous parler. Lequel, de patron ? Le patron, il n'y en a qu'un, c'est celui qui vous a adressé. Mais pourquoi moi ? Parce que on t'avait dit monument historique, mais t'es pas toi le monument. T'es ni référent, ni porte-parole. Non, mais moi je suis sa sœur, je veux être là aussi. Hein. Non, non. Oui, ben venez moi, tous les deux. Oui, mais viens, moi je suis sa sœur, je viens. Moi, c'est non, mon frère. Il veut juste vous parler. Oui, ben viens, on va parler. Par rapport à tout à l'heure, il n'y a rien par rapport à tout à l'heure. Vas-y, on filme. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui venez le chercher et pas lui. Hein. C'est ça qui est rigolo. Hein. Je le garde au téléphone. Oui, mais on vient. Non, mais c'est moi je suis sa sœur. Non, pas tous, moi. Bon, après, il aurait pu s'approcher aussi. Non, la dame, c'est pas peine de venir. Oui. Bonjour. Ah non, je vais rester avec mon frère, moi. Non, je vais rester avec mon frère. Bon, comment ça, pour la dernière fois, vous l'appelez et après, vous lui dites quoi, là ? Non, non, mais attends, c'est quoi ? Moi, je suis sa sœur, je reste là. Allez, on va arrêter parce que voilà je crois que ça s'arrête ce truc. Il va nous ouvrir les égouts, c'est parfait. J'ai pas le droit de diffuser en direct. Enfin voilà, faut pas que je fasse le direct. Et il paraît que c'est interdit. Il n'y a pas de loi. Il n'a pas le droit en fait de filmer en direct. C'est Jean-François. Ah bah il y a encore une nouvelle loi, on n'a plus le droit de faire des lives. Mais il t'embarque pas. Et le prochain coup il m'embarque. Ah le prochain coup si il arrive, ben il embarque. C'est qui quelqu'un là ? Hein ? Je vais être honte à toi. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Donc j'ai pas le droit de diffuser en direct, donc je vais filmer et je le diffuserai après. Ouais. J'ai pas le droit de le diffuser en direct. Cindy, elle me dit, ils ont fait couper le live. Non, c'est moi qui l'avais coupé. C'est quoi toi ? C'est Union Gilets Jaunes 84. Hein ? C'est Union Gilets Jaunes 84. Va sur Union Gilets Jaunes. Ouais, mais je vais le couper là, parce qu'ils vont m'embarquer là. Par contre...